Hello tout le monde, c'est le Tapeur, on se retrouve aujourd'hui sur Dofus pour la suite de nos aventures avec la petite héliotropette de niveau 30 Zaphir. Et aujourd'hui, nous continuons nos aventures dans les souterrains profonds de l'Astrum pour non pas chasser des monstres ainsi que effectuer des quêtes et devenir un aventurier célèbre, mais pour pêcher du poisson et nous faire bassement des camas. Bon alors là par contre, tiens. Un groupe devant, alors que faire? Est-ce que je demande à mon ami d'aller déblayer le terrain, sachant que, à mon avis, on ne gère pas du tout. Non, je vais le laisser là. Comme vous le savez, Calibi, qui est un crâne, donc de niveau 28, que j'ai rencontré lors de l'épisode précédent, qui m'a délicatement, what the fuck, qui m'a invité à son groupe. Pourquoi? J'en sais rien, mais. Comme ça, voilà. Ça a l'air d'être un petit peu un noob, mais il a l'air gentil, ce monsieur. Voilà. Donc, c'est cool, hein. S'il est gentil, c'est bien. Et du coup, je ne peux pas combattre à ses côtés, car moi, je suis obligé de pêcher, tout simplement. Donc, fort dommage. Ça vous dérange pas, je vais même parce qu'il n'y a plus de respect, du coup je vais même manger en vidéo, parce que vous voyez, c'est les vacances. Il est 7h, n'importe quoi, il est 17h, du coup je mange parce que fuck off, hein, j'ai envie de dire fuck off. Ici j'aime bien cette map parce qu'il y a plein de poissons un peu partout, puis on n'est pas dérangé par les connards de chaman à la con, ouais. Enfin, à moins que quelqu'un en fasse repop, mais j'espère pas. Bon, par contre, là, je titille plus trop le goujon, là, ça fait 3-4 fois et... Moi, je veux du goujon, hein. Je vous rappelle qu'on va arrêter de pêcher lorsqu'on aura 100 000 kamas, semblant. Donc, oui, putain, ouais. Pourquoi 100 000 kamas? Tout simplement parce que ça fait déjà une belle petite somme, en tout cas pour un niveau 30, c'est à peu près ce qu'on doit avoir, hein, parce que ensuite évidemment il y aura divers objets à acheter. Je pense notamment à la panneau bouffetou, mais même si enfin panneau bouffetou, n'importe quoi, je suis ok. Donc pour une panneau, hein, quoi, certainement la panneau à Kodala, même si celle-ci coûte très cher et elle est au niveau 60, donc peut-être dans un premier temps la panneau mosquito, je sais pas. On verra. Alors, c'est pas peut-être qu'il se bouge le cul là, ce bâtard. Bon alors lui il va pas nous faire chier, il est très gentil lui. Bien élevé ce garçon. Hop, il a un poisson là. Je l'ai vu le poisson, je l'ai vu sauter, il a fait. Ah là là, belle journée. Hein. Oh putain. Il y a tellement rien à dire, quoi, quand on farme comme ça, c'est stupide. D'un autre côté, il faut bien le faire. Hein. Parce que déjà, avec 100 000 camions, on pourra, comme je vous l'ai dit, soit s'acheter une petite panneau, soit également mettre de côté et investir, à faire coûter notre argent. Eh ben oui, c'est ce que c'est ça un peu Dofus aussi. C'est ça.
tout simplement, c'est ça, puis c'est tout. Là, on pourra faire plein de choses, on pourra avoir un nouveau métier, commencer à l'XP, tout ça. Enfin, après, quoi comme nouveau métier, j'en sais rien. Démerdez-vous, bande de bâtards. C'est le gars qui pète un petit peu un câble. Non, pas du tout. Mais en attendant, bah, il nous... Oh, mais il est encore là, ce bâtard. Est-ce qu'on leur déglingue ou pas? Ouais, mais non, moi, j'ai pas envie de up, moi. Ah, ouais, non, mais il est comme ça, lui. Il a gros à 8 cases et tout. Par contre, faudra bien jouer bien vite. Du coup, on fait pas de portail, parce que fuck. Faut jouer vite, alors voilà. Faut pas qu'il nous décède, hein. Faut pas qu'il nous décède. Parce que nous, on a pas de déchets, alors. S'il nous décède, bon, là, il touche encore pas, apparemment. Enfin, regarde, je sais jouer encore plus vite. Hop. Ah, c'était rapide, hein. Alors. Hop. Allez, t'es mort. Enculé. J'aime bien me mourir un petit peu, je veux dire. Tac. Après, tac. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Un truc de panda. Ah, une boisson fortement alcoolisée, je présume. Oh là là. On s'amuse bien. Non, mais par contre, vraiment, dans le prochain. Voilà. La prochaine fois, je recorderai pas, hein, parce que là, ça fait déjà plus de 3 épisodes qu'on est à pêcher les poissons. Franchement, ça doit être horrible pour vous. Donc, à mon avis, le prochain épisode sera consacré à la mise en vente de tout ce qu'on aura récolté au cours de nos aventures. Hein, puisque, évidemment, si je recorde pas le moment où on pêche, je recorde quand même la mise en vente, parce que sinon, vous allez dire. Ouais, t'as des camas qui sont apparus plutôt bizarrement, je trouve, je suis sûr que t'as triché, espèce de baltringue. Du coup, moi, je vais dire, mais non, bien sûr que non, regardez. Oh, 10 étoiles, c'est cool, ça. C'est même très bien. Les gros poissons, c'est niveau 40. Enfin, les gros poissons de rivière. Parce qu'évidemment, ça, c'est une rivière. Hein. Ouh, on a eu 3 brochets. Oh, ça super. Là normalement il passe juste en dessous. Ouais, enfin peut-être plus en haut quand même, faut cliquer sur la case. Bien joué Moret. Il est véloce ce garçon. On est déjà à combien de temps là? 8 minutes, oh là là. Mais on glande. Les heures passent, tout ça. On pêche. C'est pas très amusant, mais bon, c'est comme ça, quoi. Vous inquiétez pas. Hein. La prochaine vidéo, nos aventures vont presque commencer. Enfin, évidemment, il y a eu des aventures d'incarnat, mais bon, c'était pas ce qu'il y avait de plus épique. Hein. Je veux dire, le mini Milou, on lui a défoncé sa gueule. Oh, non, bon. En tout cas, cette aventure, donc. Ce let's play, si on peut dire, non, puisque là c'est vraiment un let's play, puisqu'on le fait en solo un peu. On sera bien obligé de se faire d'être à plusieurs pour certains trucs, mais ce let's play, quoi. Vu qu'on va faire le jeu de fond en comble, en tout cas, je l'espère. C'est je suis un jeune garçon très naïf et je pense, j'espère, notre objectif en tout cas est de. Et de faire le jeu de fond en comble, de finir toutes les quêtes, tout ça, et puis. Puis on verra, tout simplement de partir à l'aventure, voilà, c'est ça après un jeu. C'est l'aventure, puis c'est tout, hein. Voilà, allez, on reconnaît de pêcher pour l'instant, c'est pas très glorieux, c'est bien. Faut bien. Peut-être qu'après, pour se faire également des camas, on va peut-être aller faire du paysanage parce que. C'est vrai que ça faisant assez bien aussi les items paysans. Enfin, les items paysans, le blé, quoi. Enfin, les céréales, voilà. Si, je crois qu'on y fait les céréales. Parce que oui, j'ai un autre personnage qui est paysan.
Enfin, le personnage principal est... Il tape, enfin il tape, parce que je suis obligé de mettre un haut à la place du... Enfin bref. Comme vous le savez, il est obligé de... Il est paysan, boulanger, niveau 100, voilà. Donc, par contre, après, je vous dis, c'est bien pour les bas level, mais... voilà. Après, faut farmer. Voilà. Déjà, là, ça commence à me gonfler, là. Mais bon, ça va le faire. On a 42, on multiplie par 2, ça fait 9000. On a rien pour... Ah oui, bah c'est... De l'autre côté, prix moyen 110, donc 110 fois 10, ça fait 11000. C'est pas totalement inutile. Enfin, ça fait 1100, mais 110 fois 100, je parle. Donc voilà, 11000 kamas déjà. Bon, en plus, on va voir les autres aussi. Même pas beaucoup, hein. Après faudra, moi je sais pas ce qu'on va faire, on va bien se trouver des trucs à faire en tout cas, parce qu'il nous faut des tuiles tout simplement pour le moment, hein, c'est comme ça. Puis de toute façon au cours de nos aventures on aura évidemment énormément de camas, hein. Est-ce que vous croyez qu'on passe là en faisant ça? Merde. Bah ok, bah maintenant on passe plus en fait. Je voulais passer genre par là, mais non. Là on passe plus. Non ! Oh putain ! Oh, j'ai cru que ma pauvre petite Zaphir allait se faire agresser. Mais non, bien sûr que non. Ils ont été impressionnés les monstres. Mais wow. On se calme là. Allez. On va remonter, on va retourner sur l'autre map. Ah, c'est chouette la pêche. C'est vraiment chouette la pêche. Ok. Quand le fer apparaît, franchement, ça fait un bruit très bizarre. Le truc qui perce le mur. Tout à fait rassurant. Hein. Oh là là. Forcément, il... Enfin, c'est bien parce qu'ils ont apparu, moi, quand même, mais bon. Il n'y a plus d'étoiles du coup. Bah oui, vu que j'ai trucidé le spot il y a moins de 5 minutes. Les étoiles, je crois que c'est une étoile toutes les demi-heures, ou une étoile toutes les heures, ou je sais pas, ou toutes les 3 heures. Je sais pas, moi. Écoutez, tous les 2 ans, peut-être. N'importe quoi. Ça pêche bien. J'aime bien tenter le goujon, moi. Tenter le goujon, c'est ma passion. C'est n'importe quoi, putain. C'est totalement gratuit. Mais vas-y, il me saoule les carpes et les brochets, c'est vraiment de la merde, ça. Moi, je veux du goujon, moi. Mon poisson préféré, moi, c'est le goujon d'abord. Allez, bim. Actuellement, on aurait connu notre inventaire. 42 000, bah voilà. Bon, après il y a les trucs, je sais très bien que ça se vend pas aussi cher que ça, enfin quoi que, rien qu'avec les poissons on a 1700 1600 5000 600 400 400. Ouais, pas énorme, hein. Alors qu'est-ce qui vaut si cher? Ah oui, non, ok, les clés aussi ils ont mis cher. Le non, même pas. Oh, je sais pas qu'est-ce qui fait toute ma fortune. Le blé, regardez le blé, ça se vend. Ah non, qu'est-ce que magnifique en fait, c'est de la grosse merde. Ah, les crabes de chaffaire aussi. Oh, ça se vend bien les crabes de chaffaire.
apparemment. Faudra aller les vendre d'ailleurs. Non, on va retourner là-bas parce qu'il y a encore des trucs à pêcher. Du coup, bah nous, quand il y a des trucs à pêcher, on les pêche, hein, puis c'est tout. Fait pour chier. Hop. 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 Après, tu vas te diriger là-bas. Tu vas faire hop et hop. Non, parce que sinon, on va faire. Ouais, je vais tout droit, je vais tout droit, je vais tout droit. Et puis, elle va se faire aggro comme une merde. Alors. Voilà, c'est pas très. Je trouve qu'ils lui ont mis pas beaucoup de vêtements quand même, hein, ces vieux trop. Pire en pire, franchement. On dirait pas qu'elle pêche là. Enfin, on dirait qu'elle pêche parce qu'il y a une canne à pêche, mais encore. Caché mystérieusement par le bouclier. Juste pour un grand peur, c'est un jeu pour enfant, espèce de con. Ok, je lui dis d'aller par là, mais non. Elle va par là et après elle fait demi-tour. Intelligente donc cette fille. Après tu vas aller là, connasse. Tu as pêché ça, putain. Désolé, non, si j'ai gratté le micro. Parce que voilà, j'envisse tout. 5 minutes là. Quand je pense au temps qu'on perd. Mais enfin. Faut se dire que c'est utile. Évidemment. Je comprends quand même pas pourquoi. Comment je fais pour avoir 42 000 kamas ce isol là. Ok, le cuir déjà, ouais. 2000, ouais. Peut-être tout ça additionné. Après, vendre des trucs à l'unité, franchement, c'est. Ça vaut pas le coup, quoi. Après, pourquoi pas, ouais, si. En fait, je crois qu'on va peut-être aller essayer de tout vendre, parce que. Ouais, bon, après, je. Évidemment, les équipements, c'est carrément de l'arnaque. Hein, ouais. On peut vendre soutien la panneau boon, très cher, mais bon. Surtout la panneau débutant, là, là. Non, c'est bizarre. Pourquoi j'ai 31 000 alors? What? 31 000 alors que c'est 65, 2 000 et 4 000. J'ai pas trop compris le délire là. Enfin bref. Ça va déjà être bientôt la fin de cette vidéo. Hein. Bon, vous inquiétez pas pour la prochaine fois. Comme je vous ai dit, j'arrête de record quand je. Enfin, en tout cas, quand je fais du poisson. Enfin, en tout cas, maintenant, quoi, à partir de maintenant. Enfin, alors j'attends d'avoir. De remplir mon stock, quoi, avec tous les poissons. Puis après, j'arrête. En fait, voilà. Hors caméra, je remplis tout mon stock. Enfin, pas mon stock, en tout cas, je remplis. Je me mets full pod avec les poissons et après je reprends à tourner et je me dis hey salut tout le monde, aujourd'hui on va vendre des poissons, ouais trop bien, super génial. Du coup voilà quoi. Ça n'empêche ça là, ça doit être du bon poisson quand même hein. Poisson genre 10 étoiles, ça doit pas être de la merde hein. Ça doit être un sacré gros goujon le bordel. Enfin bref. Bon, bah c'est sur ces derniers poissons, sur ces derniers petits poissons donc qu'on va se quitter. Hein. Et moi je vous dis bye tout le monde. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Puis si ça vous a pas plu, c'est tout à fait normal parce que pêcher les poissons comme ça c'est un petit peu de la merde, mais vous inquiétez pas. C'est abonnez-vous quand même parce qu'après il y aura des aventures épiques et tout. Vous allez voir. Non mais si, non mais je te gagne pas. Allez. Salut tout le monde. Unicorn Zombie Apocalypse.